Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est toujours sur Dragon Prophet, enfin toujours. Ça fait la troisième ou quatrième vidéo si je ne me trompe pas. Donc ce coup-ci je vais vous montrer la création du personnage, ce qu'on peut choisir comme option, et aussi le gameplay du début, ce qu'il faut faire au début. Donc on va créer un nouveau personnage. Donc on peut voir dès la création qu'on a le choix entre 4, on va dire, spécialisations. Donc on a soit gardien, éclaireur, oracle ou sorcier. Moi je vais faire un sorcier, ou plutôt une sorcière. Donc personnaliser. Donc là on va choisir le nom. Donc le nom on va écrire l'homme de marmotte. Ceux qui suivent, bah je pense que vous douterez que marmotte, bah voilà quoi, hein, c'est ma copine. Donc voilà, elle aime pas mes vidéos, mais je vais quand même la citer dans mes vidéos. Donc là on peut voir tout simplement qu'on peut voir une personne nue. Enfin, de toute façon ça c'est juste pour choisir le skin. Largeur super nue. Ouais. Quand c'est large c'est bien. Un peu trop. Non, on va laisser quand même. Décolleté, bah décolleté, voilà. Donc, ça prend un peu. Donc là vous avez tout un... trop de choses à choisir même, j'ai envie de dire. Vraiment taille de pomme. Taille de pomme, donc là on peut vraiment personnaliser au mieux, enfin, comme vous voulez. Je ne sais pas si vous voulez citer la question. Allez, petite question, je vais en avec des grosses planches, c'est très bizarre. Donc ensuite on peut choisir la taille, qu'est-ce que j'ai raconté, la couleur des vêtements, des habits. Donc moi je préfère le 2, c'est pas mal. On va prendre le 2. Donc Marmotte elle adore le violet. Enfin elle adore. Selon la grande mode, c'est le Bordeaux. Bordeaux prune, qui pour moi c'est pareil, mais bon. Donc voilà, le personnage est créé. Et on va jouer. Donc faut se méfier parce que les temps de chargement sont en général assez longs. Donc là, si je me trompe pas, on commence directement par une petite cinématique. C'est long, hein, le chargement. Très long. Hop, ça fait une charge une fois. Bah, hop, ça va recommencer pour une deuxième fois. C'est reparti pour un tour. Vendredi, soir, enfin, après-midi. Enfin, quasiment 19h, j'ai pas beaucoup de temps, donc le jeu va mettre un petit peu de temps à charger, c'est bien connu. Oh, une petite sieste moi en attendant. Ça y est, on commence. Lorsque je me suis oublié, tout ce que j'ai aussi retourné, c'est plus en montée des honneurs. Petite cinématique du début. Oasia a raison. Et pour sa perfidie, elle sera dévorée par les crocs de la mort. Très moche, celui-ci. Plein dedans, il y a un requin. Ou plutôt un crocodile. Ouais, j'ai un même alligator. Attention, ça brûle. Et moi où suis-je? On est en train de dormir. Je suis pas les bonnes habitudes. Mourir, brûler, vivant. Je suis un barbare. Arme zombie, c'est la mode en ce moment. Dans les films, dans les jeux, partout. Donc là, on arrive, on fait nos premiers déplacements. Donc on peut voir qu'on a une petite interface ici qui vous dit en fait toutes les nouveautés. Hop, on a même pas fait 3 packs, il y a déjà de nouveaux cinématiques. Un assaut ininterrompu, bah pas se battre, faut courir. On se barre, allez hop hop hop. Oh il est mouru. Donc 6 spécimens de zombies, donc pas très simple. J'ai vraiment vu plus dur. Moi perso je vais s'appuyer sur le clic droit. Là, vous pouvez mettre un petit clic droit, hop, allez chatouiller un peu, histoire qu'il vous court après.
Il me reste encore un à tuer. Donc voilà, hop, déjà niveau 2, on a fait juste 3-4 coups, on est déjà niveau 2. Et on voit des monstres gluants qui sont horribles. Avec un petit dragon, ben, oui, Dragon Prophet, s'il n'y a pas de dragon dans le jeu, c'est un petit peu inquiétant. Ils sont même 8 en l'air là. Attention, il y a des dragons au-dessus de moi. Où ça? Ben, j'en vois pas. On va peut-être aller vite dans l'inventaire. Ouais. Tout, on verra tout ça tout à l'heure. Donc là, on va juste détruire, toujours pareil, tout droit. De temps en temps, on fait un double espace. Dans le jeu, ce qui est pas mal. Enfin, ce qui est bien, c'est que premier espace, on fait un saut normal. Deux fois espace rapidement, enfin, des deux sont ouverts. Et là, il faut que je tue trois dragons maudits vénimeux. Donc le deuxième, il les a tués. Hop, tu m'en donnes un petit bouclier comme ça, mais... Et on va aller tuer le troisième tranquillement, sans se couler. Ah, j'ai un peu de dégâts. Allez, hop, c'est bon, déjà niveau 4. Mais là, nous avons des petits religieux. Hein. Tout ce qui est religieux est fou. Enfin, quand ça tombe dans les extrêmes, que ce soit n'importe quelle religion. Attention, le dragon! Balèze celui-là. Il vient de manger, il a besoin de cure-dents, il va venir nous bouffer. Il va me prendre mon bâton comme cure-dents. Bâton qui fait quasiment ma taille. Ma taille, d'ailleurs, sur le jeu. Donc là, très compliqué, il faut tuer le dragon. Tout simplement, on fait des combos, on essaie d'éviter les zones quand on peut. Donc les personnages inutiles à réagir. Bon, voilà, j'ai esquivé. Il est déjà niveau 3, mais il est quasiment déjà mort. Bon, voilà, hop, niveau 6, je crois avoir aperçu. Attention, faut pas qu'il s'approche de nous! Non, le barbare, reviens, ne meurs pas! Non, reviens! Bon, bah, entre temps, moi j'ai reçu la protection de Sabocha. Et elle, je sais pas ce qu'elle fait dans cette position, un coup de pied au cul et hop, parfait. Enfin, dans le trou aussi. Enfin, dans le fossé. Monde d'esprit mal placé. Ah, celui-là, il regarde de loin, ça doit être un méchant. On dirait Sauron. Un mix de Sauron et les méchants du Seigneur des Anneaux. Les magiciens, là, les anciens seigneurs, je sais plus quoi. Donc là, on va regarder vite fait ce qui se passe, vu quand le jeu aura fini de charger. Si vous m'entendez bien, mais j'ai un nouveau micro. Donc voilà, j'ai fini un petit accomplissement. Hop, donc là, on va suivre vite fait. Donc, oh, c'est tous les accomplissements journaliers, donc on gagne des bonus à chaque fois qu'on finit certaines. Quête, on va dire, ou accomplir certaines actions. Ensuite, c'est pour les points de compétence. Ouais, j'ai 15 points de compétence à donner, donc chaque niveau que vous gagnez, en fait, vous gagnez 3 points de compétence à utiliser où vous voulez. Donc, soit en force qui augmente les dégâts et la défense physique, en constitution qui augmente le maximum de PV et la récupération de PV, en férocité qui augmente les coups critiques, les dégâts de coups critiques, les dégâts physiques et magiques. Donc, moi, c'est un de mes préférés. L'intelligence qui augmente les dégâts et la défense magique. Allez, hop, deux vite fait. La concentration qui augmente la défense physique. La pénétration d'armure et les dégâts physiques. J'aime pas tellement. Le charisme qui augmente les attributs de base de vos dragons. Les points investis comme les bonus d'équipement liés au charisme augmentent aussi le temps de combat actif des dragons. Allez, on va essayer de garder le petit dragon assez longtemps. Et l'affinité draconique qui augmente la défense, la pénétration des dégâts magiques. Donc on... On va essayer de gagner un petit peu de PV quand même. Là, je passe à 315 PV. Magnifique. Donc là, on peut voir un peu de plein de barres d'interface. Enfin, plein de barres de compétences, de statistiques plutôt, un peu partout.
Ouais, c'est cool. Ici, on peut voir notre équipement. C'est, je viens juste de le faire. Ensuite, on peut aller sur O que je viens de faire aussi. B, donc le sac à dos, c'est tout ce que vous contenez, donc, enfin, tout ce que vous possédez plutôt, qui est actuellement sur vous. On peut voir qu'on n'a pas beaucoup de rangement. On va faire le petit 2. Ouais, super. Un petit bâton magique. 7, on ne l'a pas encore. Donc, B, on vient de le faire. C, on vient de le faire. D, on vient de le faire. Et K, c'est les compétences actives. Et moi, je rajouterai même à tout ceci le N qui vous permet d'avoir quelques petits points en plus. Donc, moi, on va faire un de chaque. Le bouclier, il est vraiment pas mal. On va le garder. La capture, moi, pour moi, elle part en 3 parce que j'aime bien. Et puis, voilà, téléportation, j'aime pas du tout. Donc, voilà, donc on a fait un petit peu mumuse. Donc là, maintenant, on va passer à la première quête. Heureusement que nous avons un beau bâton de berger, parce que là, nous allons nous transformer en bergère. L'offre de marmotte, la bergère. Donc là, pour aller parler, on appuie sur F tout simplement. On accepte la quête. On valide pour avoir un peu de pulvérisation de vanille sur nous. Ah oui, je sens bon la vanille, je suis une marmotte. Donc là, on s'approche d'un petit mouton et faut tout simplement le ramener dans l'enclos. Super quête, super compliquée du début de partie. On l'a fait au premier. On lui redemande qu'elle nous fait pulvérise de nouveau un peu de vanille et on passe au suivant. On passe devant, hop hop hop. On pense à l'attendre. Mais non, il n'y a pas voulu. Là, il nous suit, on peut le voir dans la petite carte tout en bas à droite. Ouais, bah maintenant il nous suit plus. Hein. On va trop vite pour lui. Bon, bah, on va y aller en marchant. En alternant course et sprint. Ça va me gagner du temps parce que c'est vraiment très chiant, comme si on avait que ça à faire. Donc là, ça fait le deuxième bouton. Il nous reste encore à faire ça avec 3 moutons. Du coup, je pense que c'est le quatrième en fait qui va se mettre à marcher. Bon, je passe en accéléré et puis on passe. Enfin, on se retrouve pour la suite. Donc on se retrouve, donc là on va finir la première quête. Ouah, magnifique. Un petit signe genre cocher, Nike ou tout ce que vous voulez. Donc là on gagne 221 points de récompense, 51 pièces. Bon, si tu veux je rejoins ta guilde, mais pas sûr que je joue longtemps avec cette personne. Et donc là on a une deuxième quête, donc en fait on a des petits enfin on avait des petits formulaires, donc là faut juste aller parler. Donc, je m'embrouille. Juste aller parler aux passants pour qu'ils valident un truc, blablabla, un petit formulaire d'inscription, je me suis jamais trop penché dessus. On va se dépêcher de la faire parce que ce qui nous intéresse c'est pas ça. Tout simplement de capturer des dragons. Et hop, en même temps, on en profite pour prendre tout un tas de quêtes. Enfin, je vous donnerai plus tard mon avis sur le jeu, mais niveau quêtes, il y a ce qu'il faut, il y en a même trop, j'ai envie de dire. On s'embrouille les pinceaux, on sait plus où on en est. Et là, on va passer à la capture du premier dragon. Je sais pas si vous en souvenez, mais dans une vidéo, on voit comment dresser les dragons. Donc là, tout simplement, vous allez appuyer sur la touche que vous voulez. Moi, j'ai renommé en 3. Et ensuite, il suffit juste de placer l'espèce de tête de dragon, tête de mort, enfin la tête que vous voyez à droite, faut essayer de la placer le plus proche du centre.
Vous avez un temps imparti pour le faire. Votre affinité draconique qui descend. Et là, premier dragon capturé. Première chose à faire dès qu'on capture, on va voir toutes les compétences qu'il a. Et pour moi, c'est une grosse merde. Donc, hop, L, clic droit, révoquer le pack. Oui. Bon, si tu veux m'inviter dans ton groupe, tu m'invites. Hop, donc on va passer au dragon suivant. Vous voyez que physiquement, là, on est dans une zone où tous les dragons se ressemblent. On doit être pas loin mais un quart d'heure, 20 minutes de vidéo. Ah ouais, niveau 91 et niveau 10, ok. Le dragon peut être pas mal, on peut voir qu'il y a énormément d'emplacements. Qu'il soit libre ou pas, on va dire on s'en fout un peu. On pourra les compléter comme on voudra. Et hop. En fait, dès le début du jeu, en fait, le plus important, c'est la capture de dragon. Ah, il est beau, hein, ce dragon rose. Là, ça va suivre au niveau 91. Là, on peut voir que j'ai pas réussi à le capturer parce que tout simplement toutes les affinités draconiques se sont descendues. Hop, là, on va farmer un peu, on donne un coup sur chaque. On attend qu'ils soient tous les uns côte à côte. Et on fait notre super AOE, spécialité du sorcier. Et ensuite, on ressource. Ah ouais, s'il commence à me piquer tout, ça va pas aller. Ouais, niveau 8, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai un peu tué. Je suis déjà niveau 8. Ouais, super. Et c'est en train de me voler tous mes loot en fait. Bon, il veut qu'on aille faire un premier donjon. Allez hop, on y va, sinon il n'y a pas un petit catamaran. On va regarder. Aussi, petite info super importante, les dragons se déplacent beaucoup plus vite dans les airs qu'au sol, enfin en tout cas pour la plupart des dragons. Donc alors il nous parle de nous aider pour un donjon. Ouais. Et alors il est où? C'est au-dessus, c'est au-dessus. Bon allez, on va le suivre. Bon, je recoupe ici, je vous fais passer tout ça en avance rapide.
Donc voilà, après une petite déconnexion, super jeu, je suis nouveau connecté, j'arrive au donjon. Que va-t-il se passer? Bah on va voir ça tout de suite. Bon bah, niveau 9, il est à peine. Mais... Allez, on rattrape nos deux énergies humaines. J'ai comme l'impression que j'ai besoin de faire. Ouais, il fait tout à notre place en vrai. Bon bah vraiment gentil Kyomi alors. Bon bah déjà niveau 10. Hein. Moi je dis merci. Et mon dragon qui pex, qui pex, qui pex. Tant mieux, hein. Bon allez, on va clôturer par là le jeu, enfin, première fois que je me fais aider dans le jeu, mais habituellement j'ai jamais réussi à dépasser le niveau 20 sur les deux ou trois autres personnes que j'ai, parce que bah, ça devient ainsi. Les mobs trop éloignés, voilà. Je vais vous souhaiter une bonne fin de vidéo. Ah, on va peut-être arriver au boss, non. Je vous laisse la vidéo jusqu'au boss, niveau 12, voilà, en 20 minutes de temps, niveau 12. Mais tombé sur une grenade, donc si vous connaissez qui ont mis dans le jeu, bah vous pouvez leur remercier. Voilà. Qu'est-ce que c'est compliqué. Voilà, on vient de tuer le boss. Il a fait que des V, des V. J'ai quasiment gagné. J'ai gagné combien en XP? C'est même pas écrit. 35. Bon bah c'est bien. Plus 500 pièces de cuivre. Et voilà, donjon terminé. Allez, à une prochaine, allez, salut.